le sud des terres à une jambe ou le one leg deadlift. On va d'abord le faire avec le poids du corps, puis assister. D'abord assister avec un mot pour essayer de contrôler notre équilibre. Je fléchis légèrement la jambe à plus, je pousse ma fesse en arrière, je m'auto-agrandis le tronc. Et pour maîtriser l'équilibre, je pose mes mains sur le banc. Donc, c'est une étape qui nous permet de maîtriser le mouvement avec le poids de notre corps. Une fois que c'est maîtrisé, on peut faire éventuellement poids du corps complet sans alter. Alors au passage, ce n'est pas nécessaire de faire une grande extension de la jambe, ce n'est pas un exercice de patinage. C'est juste, l'essentiel c'est que la jambe d'appui travaille avec un étirement ischio et de la fesse quand vous faites votre mouvement. Une fois que c'est maîtrisé, on peut utiliser des haltères, des poids libres. Encore une fois, étape intermédiaire, pour brûler les étapes. Moi, je vous propose d'abord de poser un pied au sol, celui-là, qui va nous permettre de gérer notre équilibre et bien faire travailler la jambe qui est en avant. J'essaie de garder mon dos neutre, légère flexion du genou de la jambe. Autre étape, le pied étant maintenant sur le banc. Même chose, on descend lentement. Et on remonte. La descente est selon la souplesse de la personne. Si on voit qu'on perd la lordose lombaire, on s'arrête, c'est trop bas, et on roule. Et enfin, position complète avec deux haltères. On contrôle la phase de descente et on peut accélérer en phase de montée. On contrôle la descente et on remonte. Bon entraînement.